Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, que ma prière devant toi s'élève comme l'encens, immuable pour l'offrande du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme l'encens.
ce qu'il fait. Il est proche de ceux qu'il invoque, de tous ceux qu'il invoque en vérité. Il répond au désir. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Car la supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. Mes frères, si l'un de vous s'égare loin de la vérité et si quelqu'un l'amène à se convertir, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait se sauvera lui-même et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Nul ne porta la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue.
Adorons notre Sauveur qui, par sa mort, a détruit la mort et par sa résurrection nous a rendu la vie. Jésus Sauveur. En te faisant obéissant jusqu'à la mort, tu nous apprends le plus grand amour. Jésus Sauveur, nous t'adorons. En prenant sur toi la malédiction du péché, tu nous révèles la bienveillance du Père. Jésus Sauveur. En priant pour ceux qui t'ont mis en croix, tu nous entraînes au pardon sans mesure. Jésus Sauveur, nous t'adorons. En ouvrant le paradis aux malfaiteurs repentis, tu rends possible notre espérance. En ressuscitant le troisième jour, tu relèves ceux qui sont endormis dans la paix. Jésus Sauveur, nous t'adorons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Dieu de miséricorde et de tendresse, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, vous garde dans sa fidélité pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.